Y'appelez pas, vous allez bien ou quoi? 30 décembre, est-ce qu'il y a une meilleure date que le 30 décembre pour faire une vidéo récap 2022? Alors je te vois venir, Jean Masturbin, bah oui, Jacques, il y a le 31 décembre. Ouais, bah faut au moins que je laisse un petit peu de temps à Mathéo pour monter celle-ci. Sachant en plus qu'il n'aura que 24 heures. Monteur en grève, voilà, tu as le droit d'exprimer ton mécontentement en faisant un joli montage horrible de ma gueule, je ne t'en voudrais pas. Mais ça nous permet du coup de discuter un petit peu de cette année. On est dans un monde qui va vite, et dans un monde qui va vite, on prend le truc, on le consomme, on passe à la prochaine, et on se rend pas compte de ce qui a été accompli ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, faire une petite vidéo, on va d'abord voir ce qui a été fait sur la chaîne, d'accord, donc que ce soit YouTube, Twitch, sur mes réseaux au global, on va dire, et ensuite on va faire analyse réseau par réseau, YouTube, Twitch notamment, parce que pas rien à analyser sur Insta, je m'en bats les couilles, je pose juste ma sale gueule quoi. Et ensuite on va parler de l'avenir, et dans les différentes analyses réseau par réseau, comme d'habitude, vous aurez la ribambelle de statistiques, combien j'ai gagné, qu'est-ce que ça a représenté, meilleure année que l'année dernière ou pas. Ça va être l'occasion d'analyser, de discuter, et puis vous également en commentaire, vous pouvez me donner votre avis sur la direction que j'ai prise, s'il y a certaines choses qui vous ont plu, certaines qui vous ont moins plu, c'est possible aussi, il n'y a pas que du positif, mais en tout cas, moi, je suis fier et content de cette année 2022. Donc, on va la voir. On commence d'abord par la retracer de manière chronologique avant de passer réseau par réseau. C'est parti. On commence l'année 2022. L'année dernière, en janvier, j'ai eu la chance de faire deux voyages assez marquants en début d'année. Je suis allé en Ukraine. Voilà, donc ça a donné un des vlogs les plus forts de ma chaîne. J'y suis allé vers le 20 janvier, un mois avant la guerre. Et ça a été une très belle expérience de voir un petit peu la ville de Kiev, de rencontrer les Ukrainiens, de voir l'ambiance sur place, alors que juste à côté se tramait un événement très difficile et qui a marqué un petit peu le monde en 2022, tout simplement. Donc ça reste un des vlogs les plus forts que j'ai pu faire. J'ai pu filmer des images, voir des gens vivre des trucs très forts. En parlant de vivre des trucs très fort, trois semaines après, je suis allé au Maroc. Je suis allé au Maroc pour la première fois depuis 10 ans. Ça a été l'occasion pour moi de retourner un petit peu au pays, revoir de la famille, voir des tentes, un petit peu être dans l'ambiance, retourner quelque part où je n'étais pas. Tu vois, je suis franco-marocain. Pendant quelques années, je suis pas allé au Maroc. Le fait de pouvoir y retourner, vous doutez bien, c'est quelque chose de fort pour moi. Et ça a également donné un vlog que j'ai beaucoup aimé. Donc, en plus, ces deux, je crois, parmi tous les vlogs que j'ai sortis cette année, ces deux-là ont particulièrement bien marché. Donc, très content. J'ai l'impression que ça vous a bien plu et ça me fait chaud au cœur. Donc, voilà pour ces deux voyages. Maintenant, on va parler de concept. Le 2022, ça a également été l'occasion pour moi de lancer un concept très cool que vous avez apprécié, qui a été mis légèrement en stand-by depuis cet été mais qui va revenir en 2023, c'est les villes de France. Les villes de France qui me permet justement de pouvoir cumuler ma passion pour le voyage tout en le faisant avec un autre créateur de contenu dans sa ville de cœur. Et ça, c'est très très cool parce que ça permet de visiter la ville autrement. Au lieu de la faire d'un point de vue purement historique, purement, tu sais, un petit peu, j'allais dire un petit peu chiant ou un petit peu scolaire, là on le fait en marchant à la cool, en discutant, et ça a donné un format vraiment top. Je remercie tous ceux qui ont accepté, notamment Bouzy qui a accepté de faire le premier épisode, alors même que le. Il n'y a pas d'exemple en général, tu sais. T'arrives bien, on va faire ce concept là, mais j'ai rien à te montrer pour te montrer à quoi ça ressemble. C'est pas facile. Et lui, il a accepté directement, donc grosse dédicace à lui. Puis ensuite, on a fait Angers avec Rasca Mastu, Tours, Avignon, La Rochelle. C'est vraiment top. En plus, même statistiquement, si on a envie de parler, c'est un des concepts qui a le mieux fonctionné sur ma chaîne, que j'ai lancé comme ça de manière un petit peu cool et qui a vraiment été bien bien pris par vous. Donc trop cool, très content. Les villes de France, ça revient en janvier. J'aurais aimé le faire en décembre à Strasbourg pour le clin d'œil marché de Noël. Tant pis, mais ça reviendra, je pense, en janvier. Je crois qu'il faut que je retourne le message, mais Toulouse avec Gilsy, voilà. Ça permet de revenir en léger. Ensuite, chronologiquement, un des autres trucs que j'ai fait cette année, et ça a été la première fois que je l'ai fait, et notamment la première fois que je l'ai fait depuis que je fais l'émission, c'est qu'on est allé à Berlin pour faire Zach en roue libre avec Niski. Alors c'est vrai que ça passe un petit peu au travers parce qu'on se rend pas compte, mais il faut quand même se dire qu'on est allé avec Alex, qu'on a un petit peu ramené une régie mobile, qu'on est allé jusqu'à Berlin et qu'on a pu faire un joueur pro de League of Legends, donc super cool. C'était la première fois que Zach en roue libre, on va dire, s'exportait, quitter la ville pour aller faire à l'extérieur. En plus, c'est super bien passé. L'émission était top. Je sais que ça parle pas à tout le monde, mais et moi, je trouve que c'était vraiment une bonne chose. Et puis, ça sera un peu un préambule d'un truc qu'on a fait quelques mois plus tard, quoi. À cette période, on peut également parler le match des héros. Voilà, le match des héros avec Domingo. J'ai pu... merci, PA. PA, quel frère. J'ai pu avoir l'immense chance de jouer au Groupama Stadium pour une performance footballistique absolument ridicule. Mais bon, je suis fan de l'OL. Je suis né, je suis lyonnais. J'ai vécu ici toute ma vie. Donc, jouer dans le club... Enfin, dans le club... Au stade du club de... Mon club de cœur, c'est toujours un grand honneur. Et c'était vraiment la folie. Quelle que soit la qualité de cette performance footballistique horrible, j'en garde des souvenirs à vie, d'accord. En plus, il y avait du monde au stade, c'était assez cool, donc vraiment top. Merci Domingo et vive cette opportunité qui était géniale. Également, cette année, on a pu couvrir Roland Garros, donc on a couvert Roland Garros pour les réseaux de Prime Vidéo. J'en ai fait un vlog, c'était vraiment super. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui aime bien le tennis, je l'ai beaucoup suivi, surtout quand j'étais jeune. Après, je l'ai un peu lâché, mais toujours je connaissais tout ça machin. Et le fait de me réintéresser au tennis le temps d'une semaine pour Roland Garros, et même derrière, ça m'a permis de reprendre mon intérêt pour le tennis, c'était top. Donc vraiment très très belle expérience.
expérience, petit vlog Roland-Garros, et c'était une très belle semaine, très beau tournoi, dédicace à Prime Video, parce que j'ai vraiment kiffé le faire. En plus, il faisait beau, j'ai pu voir des bons joueurs, des beaux matchs. Non, franchement, Roland-Garros, 10 sur 10, c'était super. Arrive un des grands arcs que nous avons fait également sur la chaîne cette année, c'est l'arc Corée du Sud. Donc on est allé en Corée du Sud pendant 2 semaines avec ma femme, c'était vraiment super, j'ai pu vous balancer plein de vlogs, plein d'histoires, plein de bails, c'était trop cool. Malheureusement, une période entachée de perte de bagages, comme tout le monde, enfin beaucoup de monde a vécu ça début juillet, bah je l'ai vécu également, du coup ça a fait que j'ai pas pu stream comme je voulais, j'ai pu que stream IRL, ce qui était déjà très bien de pouvoir stream IRL dans Séoul, se balader, tout ça machin, faire un peu le bandeur de Corée du Sud, mais ça a un petit peu, on va dire, altéré la qualité de notre voyage. J'aurais aimé rester quasiment un mois et demi, au final on est resté que 2 semaines, mais bon, 2 semaines c'était déjà très bien, ça donnait plein de petites vidéos, c'est cool, j'espère que vous avez apprécié, moi c'était top, et puis bon, sortir des petits vlogs, faire des petits bails comme ça, c'est toujours avec le plus grand des sourires que je le fais. On parle Olympique Lyonnais, on parle rêve, allez, de retour pour l'Olympique Lyonnais et les rêves, j'ai également eu la chance de créer une émission pour présenter le 3e maillot de l'Olympique Lyonnais, que nous avons présenté en live avec des joueurs, notamment Mal Augusto, Maxence Cacré, Willou également. En gros, on nous a donné un budget, on nous a dit est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec ça, on a dit oui, et on a tout monté en autoprod, donc j'avais monté de quoi faire une régie ici même en investissant, bah, notamment pour pouvoir faire loop et pour pouvoir produire mes propres émissions, et ça a donné quelque chose, je trouve, d'assez réussi, un résultat final très sympa, une communication réussie également, je trouve de mon côté que ça a été cool, peut-être pas parfait, sans doute encore des améliorations à apporter, mais pour une première, il y avait beaucoup de pression, ça a été fait au hit, mais vu, on va dire, les conditions dans lesquelles on a évolué, bah je suis vraiment très content de la chose. Alors en plus, attendez, il y a un petit flow quand même de pouvoir montrer ça, voilà, mon gars Maxence Cacré qui m'a ramené un petit maillot dédicacé, ça fait plaisir, voilà, donc très cool. Bon, j'avoue, je l'ai pas encore encadré, à la place, j'ai encore Youssoufa Moukoko, maillot Séville, alors qu'il n'a jamais joué au Séville juste parce qu'il m'avait marqué 50 buts par saison sur Football Manager, oui, non mais faut... Il n'y a rien à faire avec moi. Ensuite, petite dédicace, on est retourné à Los Angeles le temps d'un week-end pour aller tester Modern Warfare 2. Ça m'a permis de pouvoir refaire un peu de Call of Duty sur ma chaîne. L'une des rares fois où on a fait du Call of Duty sur ma chaîne cette année. On va en discuter sur la partie YouTube de ça. Mais c'est toujours plaisant de revoir les copains, de revoir Skyrose, revoir Gotha, jouer un peu au jeu. Donc ça, c'était top. Et ça me permet de mettre le préambule sur l'arc USA. Et oui, Zach en roue libre est allé aux États-Unis. On s'est exporté là-bas et on a fait plein de contenu. On a fait des Zach en roue libre, on a fait des vlogs avec Joël également. On a fait des petites vidéos dégustation, des petits concepts. Franchement, je vais pas mentir, c'est des concepts faciles à faire un peu bidon, mais c'était vraiment un truc de ouf, vous avez grave suivi la chose, c'était bien, et on a pu faire des créateurs de contenu de prestige, un petit peu de renom, on a pu faire Temper, des créateurs de face, Ludwig, un des plus gros streamers du monde, Crimsix, voilà, Crimsix vous connaissez, joueur pro Call of Duty, et enfin Hector, le patron d'Optique. Alors peut-être que le concept, on va dire, de Zach en roue libre USA, c'est-à-dire aller faire des créateurs de contenu américains présentés en français, bah il a encore à améliorer, il a peut-être pas eu le suivi le plus gros, hein. On va dire que ça a eu un petit succès correct, c'est pas un bide non plus, mais c'est pas non plus la plus grande des réussites, mais moi, rien que pour le prestige, je suis très heureux de l'avoir fait. Alors en plus derrière, on a pu faire des vlogs, des ci, des ça. Donc niveau contenu, ça a été 2 semaines très carrées avec mon équipe. Encore une fois, on a ramené notre propre prod. On a acheté des mallettes, des trucs cool. Cette fois, on n'a pas fait la même erreur que la Corée du Sud. On avait des valises. Cette fois, on avait vraiment du matériel pro pour tout déplacer. Et dites-vous que pour un projet où ça nous a demandé 2 semaines avec toute mon équipe entre Dallas et Los Angeles, bah il y a eu aucun souci. Au global, tout a été bien fait. Donc très content de cette petite arc USA et on répétera peut-être un petit peu l'expérience en 2023. Mais ça, je vous en parlerai dans quelques mois. Enfin, on arrive à la fin d'année, et là, fin d'année, c'est 3 bangers pour moi, une énorme dinguerie, Zach en roue libre, Karim Benzema, donc j'ai eu la chance d'avoir Karim Benzema dans Zach en roue libre, on est allé à Madrid pour le produire, c'était vraiment super cool, un vrai honneur, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis l'été. L'été, j'étais allé voir quelqu'un de son entourage, je lui ai dit, bah écoute, est-ce que ce serait cool, et puis au final, on discute, et à la fin, ça se fait, je vous cache pas, je tremblais de vouloir vous en parler, je n'en pouvais plus de pas pouvoir vous en parler, pas pouvoir discuter de ça, et très heureux d'avoir pu le faire, ça s'est super bien passé, que ce soit techniquement ou même dans l'émission et tout, c'était top, Karim a joué le jeu, on a pu également faire des vlogs, j'ai pu voir vos retours, notamment sur les commentaires des différentes vidéos qui couvraient l'événement, et puis bon, ça a été de la grosse fierté pour vous tous, mais également sur l'annonce, franchement j'avoue, l'annonce on a travaillé, Thomas il a fait quelque chose d'assez fatos, et je me rappellerai les frissons que j'avais quand l'annonce était diffusée pendant les accords libres d'Omar Da Fonseca, j'étais extrêmement content, donc vraiment la folie, et sans doute, bien évidemment, les accords libres les plus prestigieux que j'ai pu faire. France-Espagne, eh oui, France-Espagne, 3 semaines de préparation, on a vraiment vécu un truc de groupe très très fort avec PA, avec Amine, avec PFU, Thias et tout. On a vraiment eu une expérience de fou, c'était la folie. Dédicace à tous ceux qui sont venus au stade ou qui ont soutenu en ligne, c'était vraiment une bête d'expérience. En plus, voilà, hein, j'ai mon petit tacle
tacle qui a fait le tour d'internet, ça fait très plaisir, je joue 20 minutes, je touche 4 ballons et j'ai une action, c'est la chose qu'on aime. Et enfin, pour terminer ces derniers temps, et alors là, France-Maroc, voilà, donc France-Maroc, le match se joue le mercredi, lundi soir, tiens, t'as des places, Zach, tu peux y aller, ah, et bah écoute, on y va. Et c'était une bête d'expérience, peut-être un des matchs qui m'a procuré le plus d'émotions. Bon, en même temps, c'est pas l'Olympique Lyonnais qui m'a procuré beaucoup d'émotions en 2022 niveau footballistique, hein, n'est-ce pas? Mais ouais, c'était vraiment la folie, hein. Je suis franco-marocain, on en parlait un petit peu plus tôt dans la vidéo, et le fait d'avoir pu aller couvrir le match, enfin le voir, le couvrir et le vivre en vrai, bah, c'était une expérience de zinzin. Alors en plus, on a fait un live IRL juste avant autour du stade qui a très bien fonctionné, qui était très cool. Au global, pas prévu du tout, mais un bête de truc. Voilà pour mon année 2022 niveau ce que j'ai fait, ce qui a été fait. Autant vous dire que c'est très, il y a quand même beaucoup de choses, hein. Arc Corée du Sud, USA, Benzema, Niski à Berlin, France-Espagne, France-Maroc, troisième maillot. Peut-être la plus grosse année en termes d'activité et de diversité de choses qu'on a fait. Vraiment, c'était vraiment super. Ça n'a pas toujours été très facile, je vous cache pas. Ça a été un rythme très élevé. Je dirais pas que je suis passé pas loin du burn-out, hein, mais c'est pas toujours ultra simple d'assumer un tel rythme. Mais après, encore une fois, je reste un privilégié, hein. On est très chanceux de pouvoir faire ça. Et tout ça, ça tient essentiellement grâce à votre soutien, comme d'habitude, les gars. Franchement, moi, je vais pas vous cacher, s'il y avait pas votre soutien, si vous n'apportiez pas du suivi, de la vue et de la force dans ce genre de choses, bah, ce serait très difficile à mettre en place. En fait, ce serait pas très difficile, ce serait impossible. Donc, franchement, merci à vous et j'espère que vous avez su apprécier les différents contenus qu'on vous a filés cette année et la direction qui a été prise. Mais on va en discuter parce qu'on va commencer par YouTube. D'accord, allez, on va commencer par analyser mon année sur YouTube, ensuite l'année sur Twitch et enfin, on parle de 2023. Let's go. Donc mon année 2022 sur YouTube s'est joué un truc assez fort que vous avez pu, je pense, remarquer, surtout pour les plus anciens, c'est que je n'ai pas fait de Call of Duty quasiment à part quand j'ai été à LA pour y jouer. Et c'est un parti pris, c'est effectivement un parti pris de ne plus faire de Call of Duty. C'est important, on va en parler direct parce que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. C'est genre, imagine, j'ignore le fait que je fasse plus de code alors qu'il y en a qui me suivaient beaucoup pour ça, voire exclusivement pour ça, et je le prends pas mal. Bah ça ferait un peu bizarre de pas le mentionner. Donc effectivement plus de Call of Duty parce que je considère que j'ai réussi à me sortir un peu de Call of Duty et à proposer des choses différentes, que ce soit des vlogs, des thread food, des concepts, des trucs des fois un peu plus réac. On a essayé plein de choses cette année et je trouvais ça dommage de retourner, de refaire un ou deux gros mois sur code où j'allume le jeu, je fais des commentaires et tout. Pas que ce soit nul, mais c'est pas du contenu que j'avais envie de faire encore une fois. C'est pas du contenu qui m'animait. C'est plus du contenu qui m'animait. Et puis même en soi, je n'ai plus la flamme. C'est-à-dire que même Call of Duty MW2, j'ai bien aimé le jeu. Voilà, pour être tout à fait honnête. J'en ai fait un peu, même en stream, mais j'ai très vite lâché le truc. Maintenant, on fait autre chose et j'en suis pas plus mal, mais paradoxalement, tout en ayant lâché Call of Duty, donc il y en aura plus vraiment sur la chaîne, il y en aura sur ma chaîne replay, peut-être de temps en temps en stream, avec grand plaisir, mais sur ma chaîne YouTube principale, sauf exception, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, hein, mais sauf exception, je pense pas spécialement revenir sur la formule. Eh les gars, regardez, je fais du 60-2 sur une game, oh là là, j'ai trop de trucs à vous raconter, c'est... Voilà, c'est plus quelque chose qui m'anime réellement, pour être tout à fait honnête. Paradoxalement, maintenant que je vous ai dit ça, bah ça a été ma plus grosse année ever sur YouTube, je crois. Et on va aller directement dans les chiffres, hein, on va pas bullshit plus longtemps. Voici les chiffres. 19 millions et demi de vues, 83 000 abonnés pris. Très content de ça. J'ai beaucoup stagné quand je suis arrivé aux 400 000. Entre les 400 et 500 000, ça a pris plusieurs... Vraiment du temps à passer ce palier. Et là, paradoxalement, cette année, ça a vraiment repris une marche en avant en termes d'abonnés. Mais en termes de tout, en fait. Franchement, les vues ont été énorme, les revenus également, je pense que ça a rapporté plus de revenus que l'année dernière. Voilà, c'est vraiment très cool. Regardez, là c'est 2022, vous savez quoi, on fait 2021, hop, 2021, et ben c'est simple, on passe de 13 à 19 millions de vues, de 46 à 82 000 abonnés pris, et de 34 à 63 000 euros. Bon, on peut quand même, 68 pardon, on peut quand même dire que c'est une réussite. C'est une réussite qui a été notamment portée, et on le voit ici, par Zach Oro Libre, hein. Zach Oro Libre, le fait d'avoir repris sur ma chaîne, ça a été super important pour la réussite de celle-ci, bah, notamment Zach Oro Libre, Karim Benzema, vous le voyez, qui compte pour 5% de mes vues cette année. 1 million de vues, ma première vidéo à 1 million de vues sur YouTube. Oui, oui, je vous jure qu'en 7 ans, c'est ma première vidéo à 1 million de vues. Ensuite, Amixem, nécessairement, ça c'était un extrait de quand il avait parlé de la Redbox, les Zach Oro Libre. Après, vraiment, cette année, on a fait une année de Zach Oro Libre, alhamdoulilah, elle était vraiment énorme. Hein. Mister V, JDG, JLC, là je les vois, PFUT, Skyrose, le V12, on a eu du monde et forcément, ça se ressent. Et par contre, à côté de ça, il y a plein de concepts aussi qui ont bien fonctionné. Regardez, on le voit ici, les villes de France, on en parlait un petit peu plus tôt. Alors, cette vidéo arrêt de la cigarette, je suis désolé, c'est YouTube, c'est pas moi. Je n'y suis pour rien, c'est pas moi qui vous ai harcelé avec ça. Elle est sortie début 2021, elle a eu un petit succès de prestige et ensuite en 2022, je sais pas ce qui s'est passé, elle a explosé. 410 000 vues, mais c'est n'importe quoi. Voilà, regarde.
regarder c'est quoi le délire. Donc regardez, quand je vous disais, elle ne se pose pas spécialement marché, elle faisait quand même de petites vues dans le temps, ce qui est pas mal. Et puis un jour, le robot YouTube, début septembre, il a dit, ah ouais, la tête de web, ça va pas se passer comme ça. Et hop là, et voilà, et elle prend encore des vues. Enfin, c'est absolument délirant, je ne comprends rien de temps en temps à la magie de YouTube, mais écoute, on va pas bouder, donc excusez-moi pour cette vidéo. Au global, vous voyez plein de trucs, de, comme je l'ai dit, regardez, les villes de France, et puis après derrière, dans les villes de France, il y a également plein de vidéos un peu plus concept, donc des storytelling. Donc par exemple, je raconte les plus gros dons de l'histoire de Twitch, des threads foot, des vidéos concept où on discute, des vidéos un peu react aussi. Donc voilà, franchement, c'était une belle année, beaucoup de vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues. Et au global, de toute façon, moi je suis content quand une vidéo fait 60, 70, 80 et des fois 100 000 plus, ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc au global, ça a été une très belle année pour moi sur YouTube. Comme d'habitude, on va analyser les sources de trafic, fonctionnalité de navigation. Donc fonctionnalité de navigation, c'est l'accueil, les abonnements, tout ça, machin. Les suggestions de vidéos, tu sais, sur le côté là, quand vous regardez une vidéo. Les recherches YouTube, les pages de la chaîne. Donc ça, c'est 1 million de vues seulement de gens qui sont venus directement sur la chaîne pour voir une vidéo. Les autres fonctionnalités de YouTube, mais surtout moi, je trouve ça vraiment assez intéressant. Les fonctionnalités de navigation, parce que quand on les dissèque, regardez dans le détail ce que ça donne. L'onglet abonnement n'existe quasi plus, il ne sert plus à rien quasiment. Alors 986 000 vues grâce à l'onglet abonnement, c'est bien. Hein, 1 million de vues dans l'année, c'est très bien. Mais 86% des vues sur mes vidéos, quand ça vient des fonctionnalités navigation, viennent de l'accueil. Donc les gens qui se connectent et qui ont la truc qui leur est mis en avant, tu vois, la vidéo qui leur est mis en avant. Et c'est ouf l'impact et la force que YouTube peut avoir. Vraiment, YouTube, c'est un truc de ouf. Ils peuvent décider de la vie ou de la mort de ta vidéo en la pochant plus, en la mettant plus en avant, des trucs comme ça. Vous l'avez vu sur la vidéo notamment cigarette. Et je trouve ça ouf. Après, pour ça, c'est l'algorithme, comme d'hab, qui décide avec des métriques, des maths. Mais vous avez bien vu que l'algorithme, de temps en temps, il part en couille. Mais voilà. Donc du coup, l'accueil, plus grand monde regarde via les abonnements. Après, c'est historique à regarder plus tard, mais également est tendance. Alors j'étais très peu en tendance, apparemment ça m'a rappelé que 7600 vues, mais c'était cool. Voilà, donc pour les sources de trafic, c'est toujours un peu un plaisir de voir comment ça se passe, la différence de durée moyenne de vues, tout ça, c'est toujours très intéressant. Situation géographique, bon, 85% de francophones, 5% de belges, 2% de suisses, 1% de marocains, 0,6% d'algériens. Bon, vous avez capté, ça c'est la provenance des vues. Je vous laisse regarder. En fait, moi cette année par contre, j'ai découvert un truc, c'est les provenances par ville. Il me semble pas que l'année dernière c'était là, mais là pour la première fois je peux voir quelles villes m'ont rapporté le plus de vues. Alors évidemment Paris, c'est le bassin parisien qui a le plus de monde en France, donc 2 400 000 vues, allez 350 000 on va dire, donc 12% de mes vues proviennent de parisiens, mais, et je suis très content, beaucoup de lyonnais, donc beaucoup de lyonnais qui m'ont regardé sur YouTube de près ou de loin, 500 000 de vues qui viennent de Lyon. Bon, étant lyonnais et le répétant très souvent, c'est franchement pas étonnant à la fin qu'il y ait beaucoup de lyonnais qui me suivent, et c'est très cool, c'est ma ville, et quand je me balade dans Lyon, c'est toujours un grand bonheur d'être connu, reconnu par les lyonnais, c'est toujours un vrai plaisir, donc dédicace à vous, et on le voit, vous regardez plus ces vidéos que les parisiens, mais moins que les marseillais, attention. Les gens de Marseille, Bordeaux, Lille, voilà. Donc on est sur 1,4 à 1,2%. Et ensuite, voilà. Ensuite, il y a plein de villes. Casablanca, regardez, vous voyez ici. Villeurbanne, Villeurbanne, c'est collé à Lyon. Angers, Montréal, Montpellier. Oh, Montréal était quand même assez haut. Asnières-sur-Seine, Toulon. Asnières-sur-Seine, c'est là où il y a Webedia quasiment. Donc ça, le Valois-Pérenne, mais c'est juste à côté. Mais en tout cas, voilà. Les Niçois, non. Zach, vous, ça vous parle pas, quoi. Genre les mecs de Nice, ouais, bof, quoi. Genre, ouais, en fait, les Clermont-Ferrand, vous en battez les couilles de moi, en fait. Hein. Bon, en même temps, votre ville, c'est de la merde. Donc du coup, franchement, je m'en fous que vous. Ne le prenez pas personnellement, c'est pour la vanne. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir regarder par ville. Comme d'habitude, âge du spectateur. Alors là, moi, je sais très bien que j'ai pas une commu de jeunes. Je le vois aux jeunes qui viennent devant Webedia pour essayer de voir Inox Tag et Michou. Moi, je passe devant eux. Je suis le roi des randoms. Et tant mieux. Parce que franchement, j'avoue, j'ai traîné plus avec des créateurs de contenu cette année. Et quand ils sont beaucoup connus par les jeunes, oh, laisse tomber. Moi, c'est essentiellement du 18-24 et du 25-34. Je le sais très bien. Et là, certains vont dire, mais non, c'est des gens, ils trichent sur leur âge. Non, 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 non. Ça, c'est quelque chose qui se corrèle également avec ce qu'on rencontre dans la rue, avec les gens en stream, en ci, en ça. C'est très rarement des gens de moins de 18 ans qui me suivent, mais il n'y a pas de souci à ça. Genre, je ne taille pas ceux qui ont des commus plus jeunes, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Et donc voilà, 18-24, 25-34, après, bon, combien de personnes... Ça fait quand même apparemment, après ça, c'est si des gens qui n'ont pas menti, ça fait quand même, on va dire, un bon 12% de gens de plus de 35 ans qui me suivent. Et surtout, les gens de 55-64, eux, regardez, ils me regardent 12 minutes, quoi. C'est-à-dire que tout le monde me regarde entre 17 et 15 minutes, tu vois, ce qui est quand même un watch time très bon, porté aussi par Zach Orly. Mais alors, eux, les moins de 17 ans... 12 minutes et les plus de 55, 12 minutes. Ils s'en battent les couilles de moi. Genre, ils tombent sur moi, ils sont là. Non, non, non. Toi, là, le jeune, tu n'es pas intéressant. C'est drôle, ça fait un point commun entre les jeunes et les vieux, tu vois. Genre du spectateur, bon, bah. 93% d'hommes, 7% de femmes, quand même. Coucou les femmes. Bon, bah, je me doutais pas, quand même, que vous représentez 7% de mes vues. 7% de mes vues, ça va faire quand même plus d'un million. Donc, c'est quand même très propre. Bon, comme d'hab, les sources de revenus, voilà. YouTube Premium, YouTube estimé, état de l'abonnement. Et là, c'est toujours passionnant à voir. 56% de mes vues
viennent de gens qui ne sont pas abonnés. Alors bon, franchement, j'avoue qu'en 2022, le nombre d'abonnés ne veut plus rien dire parce que c'est tellement influencé par l'accueil, des choses comme ça. Des mecs à 50 000 abonnés peuvent avoir leurs vidéos qui sont plus mis en avant dans l'accueil que des mecs à 1 million. Et de toute façon, avec la vibe Fortnite qui est passée et tout, combien de youtubeurs ont 1,5 million d'abonnés et font 10 000 vues par vidéo? Je les taille pas d'ailleurs, hein, c'est même pas une honte, hein, chacun vit sa carrière d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais bon, le fait de voir que c'est toujours des gens qui sont pas abonnés ou que les gens n'ont plus le réflexe de le faire, ou en tout cas moins, je trouve ça très intéressant. Et source de l'abonnement, enfin pour finir, ça c'est les gens qui sont abonnés. Bon, voilà, ils se sont abonnés via la page de lecture, via ma chaîne YouTube, les recherches YouTube, les fonctionnalités interactives, mais on a également perdu des abonnés. Bah ouais, logique, c'est normal. Alors déjà, il y a 3% de comptes clôturés, donc 2700 comptes clôturés, pour X ou Y raison, liste des abonnements aux chaînes, donc abonnement à partir de la liste d'abonnements, des gens se sont désabonnés via des listes. Après, par le flux abonnement, ça c'est des gens, ils ont vu leurs abonnements, ils ont fait je suis encore ce tocard, et ils m'ont lâché. Et enfin, l'accueil YouTube, c'est pareil, c'est des gens, ils se sont dit attends, mais je suis encore ce tocard, et ils se sont désabonnés. Bon, c'est pas très très grave, hein, y a pas de souci, hein. J'ai changé de contenu, donc c'est assez logique aussi qu'en conséquence, des gens me suivent moins. Donc voilà pour les statistiques YouTube, très belle année YouTube, j'ai pris que ma chaîne principale, mais il y a également la chaîne Zach, je peux également noter la chaîne Loop, mais voilà, c'était assez cool, et Loop et les autres concepts, on va en parler dans la partie Twitch, c'est maintenant. La partie Twitch, let's go baby! Et voici les statistiques, les métriques. 1553 spectateurs de moyenne, 1105 heures, 1106 heures de stream, 111 000 nouveaux followers, 12 000 subs et à peu près 37 000 $ de revenus. Très très bonne année sur Twitch, je suis très content de cette année-là. On s'est vraiment dépassé, 1100 heures, ça fait quand même, on va dire, à peu près 3 heures de moyenne par jour, sans compter des fois les jours off. Sur le spectateur de moyenne, la gigabarre violette, c'est Zakar Ouli Benzema. Sinon c'est assez cool, les streams perso marchent bien, en général on fait des choses diversifiées, on peut parler de foot, beaucoup, c'est vrai, peut-être un peu trop des fois, mais on a également joué à des jeux, on a fait des arcs, on a fait aussi de temps en temps un peu de react, on a fait plein de trucs assez cool, même des fois juste du just chatting, des quiz, de la culture, des ci, des ça, et c'est toujours un vrai plaisir d'avoir un bon public sur Twitch qui est souvent là, des vrais habitués. Je me suis relancé sur Twitch depuis le 9 novembre 2020, voilà, donc ça va faire un peu plus de 2 ans que j'ai repris Twitch sérieusement, et comment je peux te dire qu'en 2 ans de travail, je suis mécontent de ça, quoi, tu vois, genre on a très bien réussi, et un des trucs qui a bien fonctionné également sur ma chaîne, c'est les émissions. Donc Zakar Ouli, déjà très très grosse année, que ce soit sur les invités, sur les tentatives, sur les choses qu'on a pu avoir, on a pu s'ouvrir au sport, on a pu faire des émissions vraiment très cool. Et Zakar Ouli, bah, une vraie fanbase, et ça me fait plaisir. Limite un jour je me dis j'ai envie de faire du merch, tu vois, mais qui va mettre un t-shirt avec écrit Zakar Ouli dessus? Bref, tout ça pour dire que je suis assez content de Zakar Ouli parce que ça a été une très grosse année. Dédicace à tous les invités qui ont accepté de venir, qui ont joué le jeu, qui se sont ouverts. Et je sais qu'il y a des gens, ils ont l'habitude chaque semaine d'écouter Zakar Ouli, mais ça c'est un vrai plaisir, donc vraiment top, et ça va continuer en 2023. Un truc qui risque de moins continuer en 2023, ça va être Loop. Alors Loop a très bien marché, très fier d'avoir pu monter une émission et en un an avoir fait quasi 40 épisodes. Cette année en plus là, cette saison, ça a plus marché encore que la saison dernière. On a réussi à donner la parole à de plus en plus de créateurs de contenu qui ne sont pas présents partout, qu'on retrouve pas partout, et ça c'est toujours un vrai plaisir. Pareil niveau audience, le seul truc en fait c'est que en 2023, et ça va me permettre d'en parler, je vais déménager sur Paris pour des raisons pratiques, je vais vous en parler dans quelques instants. Mais du coup en fait, si vous voulez, je vais m'investir dans d'autres projets, des projets de jeux, des projets de quiz et aussi des projets un peu plus perso. Résultat, en fait, mes semaines vont être trop congestionnées. Et donc vu qu'elles vont être trop congestionnées, je peux plus avoir 2 émissions chaque semaine en plus des streams perso, en plus des vidéos, parce que Loop c'est très très en fait c'est vraiment chaud de tenir un talk show de 2 heures parce que ça demande beaucoup de travail. J'ai une équipe avec moi qui m'aide beaucoup. D'ailleurs, si j'ai pu autant travailler cette année et faire autant de choses, c'est 100% grâce à eux, parce qu'ils m'ont énormément aidé, ils m'ont permis de me faciliter. Donc dédicace à Jarod, à Hugo, à Alex, tous les gars avec qui je me suis entouré, on a fait des sales choses et c'est vraiment un plaisir. Sauf qu'à l'heure actuelle, Loop ça prend vraiment beaucoup trop de temps malheureusement. Donc ça va continuer, je dis pas que ça s'arrête complet, mais ce sera plus chaque semaine, ce sera de manière plus événementielle, on fera des plateaux plus plaisir. En plus, vu que je serai à Paris, c'est plus facile pour moi de pouvoir inviter des gens, tu sais, de manière assez facile, c'est de dégainer le SMS, ouais bon tu viens, ça demande moins d'organisation que quand on les faisait descendre à Lyon. Et donc voilà, ce sera de manière plus événementielle. Après, de là ils mettent une récurrence, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines peut-être comme Zen, ou tous les mois, c'est encore à voir, parce que là je vous dis, je suis dans mon installation à Paris, quand j'aurai mon rythme, j'aurai les idées plus claires et on pourra en discuter de manière plus prononcée. Donc voilà pour l'année 2022 sur Twitch, bah également Zakar Ouli, et pour 2023 bah il y a des choses qui arrivent. Alors pour 2023, un des premiers trucs sur lequel je suis en train de plancher, ça ce sera pour fin janvier je pense, début février, je vais lancer un jeu. Donc je vais lancer un jeu sur Twitch que j'ai envie qu'il soit mensuel, d'accord, et c'est un jeu de quiz orienté sport, et pour commencer football, avec aucun sponsor de paris sportif, déjà parce que coucou, je ne veux pas. On a pu faire cette erreur par le passé, on la répétera pas. Et aussi parce que les sponsors de paris sportif, c'est ce qui bloque les collaborations entre créateurs de contenu football. Donc par exemple, imaginons un créateur de contenu football sponsor par Unibet ne veut pas aller dans une
émission sponsor Winamax ou Parions Sport ou je ne sais quel truc de merde. Résultat, ça crée des barrières, ça évite aux gens de se réunir et tout, c'est nul. Moi, j'ai envie de faire une grande soirée de quiz foot avec un truc un peu animé, bien présenté, des questions fun mais dures aussi, animé par moi et avoir dedans des youtubeurs comme des twitchers, comme des journalistes, comme des commentateurs, qu'on réunisse un peu la sphère foot française au sein d'un jeu et d'une soirée, de pouvoir un peu jouer ensemble et kiffer quoi. Donc ça, c'est mon gros projet à venir pour les semaines. Là, j'ai déjà une partie de mon casting et tout. Bref, on est dessus, on est en train de travailler. Et bien évidemment, vous doutez bien, j'ai dit quiz foot, mais ça, c'est un truc qu'on peut décliner après à l'infini. Quiz, j'en sais rien, tennis, rugby, et qu'on sort selon la réussite, selon les possibilités. On verra pour étendre la chose. Encore une fois, je dis pas que j'ai inventé l'eau chaude, hein, personne n'a inventé les quiz, mais en faire un jeu, une récurrence, un truc cool sur Twitch, je pense qu'il y a une place à faire dessus. Pourquoi est-ce que je déménage sur Paris alors que j'ai passé des mois et des mois à dire que je voulais créer sur Lyon et que ça me tenait à cœur? Et bah c'est vrai, et je l'ai fait. Depuis 3 ans que je suis rentré à Lyon, j'ai toujours créé ici, je me suis battu pour le faire, j'ai créé ma propre émission, j'ai investi de l'argent, j'ai pris le local, j'ai fait des tonnes de choses, et là nécessairement viennent les questions: qu'est-ce que tu vas faire du local? Pourquoi est-ce que tu déménages? Alors déjà, pourquoi est-ce que je déménage? Je déménage pour la simple et bonne raison que malgré tout, malgré mon envie de me battre, malgré mon envie de créer des choses en dehors de Paris, je suis toujours plus ou moins obligé de retourner à Paris à des moments ou à un autre, que ce soit pour Zach en libre, ou des fois Popcorn, ou des fois hors-jeu, ou des fois d'autres projets. Et en fait, c'est un rythme qui m'a pas fait chier pendant 2 ans, mais qui ces derniers mois m'a de plus en plus un peu pris à la gorge, parce qu'en fait, dites-vous que 30% de mon temps chaque semaine, je le passe à Paris. Alors déjà, pour être tout à fait honnête et sans aller vraiment dans la vie privée de ouf, avec ma femme, quand t'es pas là 30% de la semaine, c'est un peu chiant. Tu vois ce que je veux dire? Genre t'es là, tu dors à l'hôtel, tu dors pas chez toi. Quand tu rentres à Lyon, bah tu sais que dans 4 jours tu repars. Quand t'arrives à Paris, tu sais que dans 2 jours tu rentres. Et en fait, ça fait vraiment un rythme qui est très très élevé. Et moi, j'aimerais bien inverser la charge, c'est-à-dire habiter à Paris, travailler, rentrer tous les soirs à la maison, puis de temps en temps, toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, retourner à Lyon pour voir ma famille, pour voir un match de foot, pour voir mes potes, etc. Donc j'ai plutôt envie de travailler comme ça. Donc sincèrement, c'est juste pour aller au plus simple. Parce que j'avoue, là, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait cette année, tout le travail qu'on a fait, tout ci, tout ça. On s'est vraiment battu de zinzin, j'ai travaillé d'arrache-pied, tout en sachant pertinemment que voilà, j'ai pas le métier le plus difficile ou des choses comme ça, même pas besoin de venir me le rappeler, c'est même pas me plaindre, mais à des moments, je pense, j'ai frisé le burn-out. Tu vois, j'étais vraiment pas loin entre, comme je l'ai dit, stream perso, vidéo, émissions des fois qui ne sont pas sur ma chaîne. Donc quand vous voyez que j'ai fait 1105 heures de stream, en réalité, j'ai fait plus. Quand je fais hors-jeu, quand je fais Popcorn, quand je fais des trucs comme ça, je suis pas sur ma chaîne, pourtant je suis en live. Enfin, tu vois un peu le délire. Donc voilà, et des fois, c'est vrai que j'ai frisé le burn-out et en gros, j'aimerais bien pouvoir travailler de manière plus efficace, d'accord? Plus efficace, plus tranquille, en démultipliant pas les moments où je voyage et puis en me facilitant la vie, ça va également pouvoir me faciliter le fait de faire des connexions. Alors vous l'avez compris, cette année, un des trucs que j'ai encore plus aimé faire que d'habitude, c'est collaborer avec Joël et du coup avec Yas et d'autres mecs comme ça, et en habitant à Paris, bah, ça sera plus simple parce que les mecs seront à côté. Et donc quand je voudrais faire un stream avec Joël, viens en live ce soir. Joël, viens, on fait une vidéo. Yas, viens, j'ai une petite idée, on fait un truc et ainsi de suite en fait, et ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus cool. Donc voilà pour Paris. Qu'est-ce que je vais faire de ce local? C'est simple, le bail du local termine dans 6 mois. Donc 6 mois, je termine le bail. Alors en fait, Thomas, lui, il risque de re-signer le bail. Je vais voir pour peut-être essayer de me garder un petit bureau et tout, mais effectivement, je ne produirai plus de grandes émissions, de grandes choses. Et quant à ma team, les gars que j'ai dédicacés juste avant, bah il y a Alex par exemple qui finira son alternance cette année, donc lui, il va prendre son envol, il va travailler. D'ailleurs, j'essaierai de l'aider, peut-être s'il a besoin de trouver un truc, mais je crois qu'il a déjà des bails. Mais en tout cas, c'est le gars qui a monté une partie de vidéo, qui a filmé la plupart de mes vidéos, qui m'a fait des tonnes de choses. Donc grosse dédicace à Alex. Et ensuite, il y a Hugo qui risque de me suivre à Paris. J'en ai certains qui peuvent encore travailler en ligne. Bref, c'est très global, mais en général, on va s'en sortir, quoi. Et je bougerai du coup le 5 janvier. Et pour 2023, comme je vous ai dit, j'ai 2 projets. Donc le premier projet là dont je vous ai parlé, c'est le quiz foot. J'en ai un autre qui concerne Zach en libre cette fois-ci. Et puis au global, franchement, et je vais parler français, juste me maintenir, ça me va. Je veux juste me maintenir à ce niveau, continuer à produire des vidéos, continuer à produire des émissions sympathiques que vous aimez bien. Moins régulières, plus événementielles, mais quand elles arrivent, c'est du lourd. Et puis voilà, je veux pas plus. Vraiment, je vous dis, je veux pas plus. Cette année, il y a eu des moments, notamment avec Karim Benzema ou autre, où j'ai été très 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 mis en avant. Et c'est une bonne chose, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère rester dans mon coin, être avec ma communauté, vous produire des petits trucs. Je veux pas 3 fois plus de vues, je veux pas 3 fois plus d'argent. Je suis très content de ce que j'ai. Et si je me maintiens à ça, alhamdoulilah, j'en serais vraiment plus que ravi. Des fois, quand je vois ce que c'est la vie de streamer avec 8000 viewers, ou des fois les mecs qui font 600 000 vues par vidéo, ne serait-ce que pour faire écho à la vidéo récente de Mastu, je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre ça. Déjà, gardez-moi comme ça, j'en serais l'homme le plus ravi. Donc voilà, c'est une longue vidéo. J'ai pu discuter un petit peu de mes opinions, un petit peu vous parler de mon avis de plein de choses. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous avez des commentaires pour me dire comment vous avez vécu, vous, mon année 2022. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a peut-être moins plu? Je suis pas parfait. J'ai sans doute fait des erreurs. Il y a sans doute des choses qu'on peut faire mieux. J'ai même des fois peut-être eu des mauvaises réactions. Ça peut m'arriver. Je suis humain. C'est vrai que des fois en stream, je peux tilter et pas toujours avoir la réaction la plus intelligente. Auquel cas, vraiment, j'ai pas de fierté mal placée. Je le dis parce que voilà, c'est la fin. On en profite. C'est la fin d'année et tout. Si un jour je vous ai lésé de près ou de loin, bah franchement, je regarde la caméra dans les yeux et je vous livre mes excuses.
Voilà, je vous présente mes excuses. On n'est pas parfait, on est tous humains, on fait tous des merdes de temps en temps. Et si c'est le cas, bah voilà, mes excuses. Et on espère continuer à essayer de se développer la création de contenu, mais également se développer en tant qu'homme. Et essayer d'être une bonne personne, une personne meilleure. Le plus important pour moi n'étant pas de pas faire des erreurs, c'est de les identifier et de pas les répéter. Donc voilà pour le côté philosophique, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.